Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance de la Lune afin de vivre pleinement cette journée dans ses bonnes énergies. Et puis, vous aurez aussi le côté astrologique de la journée pour ceux qui aiment ça et votre défi du jour. Alors, pour ce samedi 28 mars, joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête au Gontran. Mais vous savez que le dimanche, il n'y a pas de lunoscope, donc je souhaite aussi par avance joyeux anniversaire au bélier de demain, dimanche 29, et bonne fête au Gladys. Allez, voyons maintenant les énergies, la guidance lunaire de ce week-end du 28 et 29 mars pour vous. Alors j'espère qu'on va avoir des choses sympathiques parce que le week-end, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà la semaine, bon, mais encore la semaine, on se dit, bon, on ne travaille pas. Pour certains, en tout cas, on est content, peut-être un peu aussi, hein, dans le fond, prenant les choses du bon côté. Mais le week-end, on est obligé, on sort le week-end. Alors, voyons donc les énergies. Hop. Parfait. Et maintenant, le côté strictement relationnel. Pour vous, en ce week-end, et enfin, bien sûr, l'oracle quantique, la parole de l'oracle quantique. Pour vous. Alors mes amis, je vous rappelle que le week-end, justement, le samedi, je fais paraître sur mon adresse Instagram le choix entre trois lunes, et oui, encore des lunes, et ben oui, la lune, c'est mon truc. Et selon le choix que vous faites, eh bien, je vous donne les énergies de la semaine à venir. C'est sympathique, c'est mignon comme tout, et ça fait aussi passer le temps. Et puis, finalement, c'est riche en renseignements. Alors, choisissez votre lune. Vous avez choisi. On va commencer aujourd'hui par la lune dorée. Allez, si vous avez choisi la lune dorée. Pour vous, s'éveiller. Alors, la carte s'éveiller, eh bien, elle n'est pas là pour rien en ce moment aussi. Hein. Vous voyez qu'on a un personnage en position de méditation, en tout cas en position calme. Il y a du vent, donc allez, on est dehors. On se laisse pénétrer par les énergies extérieures. Et il y a l'arbre, la symbolique de l'arbre, évidemment. On est bien ancré dans nos racines, dans notre famille, dans nos ancêtres, dans notre quotidien et on va vers le divin. Hein, les racines touchent le ciel, vers l'avenir. Alors, s'éveiller, eh bien, c'est s'éveiller à ce que j'ai en moi. Ça n'est pas à se réveiller le matin. Ah, oh, je me réveille. Bon, surtout qu'en ce moment, on se réveille le matin, mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas grand-chose à faire. Enfin, moi, je continue. Au contraire, j'ai redoublé de travail pour que vous puissiez passer le temps. Et ne parlons pas des soignants, ne parlons pas des commerces alimentaires, ne parlons pas des ambulanciers, ne parlons pas des pompiers, de tous ces gens qui sont là pour nous aider, les éboueux qui vident les poubelles. Oui, enfin, bref, tous ceux qui continuent à travailler. Et il y en a, croyez-moi, il y en a. Et merci à vous tous d'être sur le pont parce que c'est pas simple. Je pense que vraiment, quand on risque sa vie, parce que c'est ça, ce n'est pas simple. Alors, donc, j'en reviens là. S'éveiller, eh bien, c'est à quoi est-ce que je vais
Vers quoi je vais me diriger maintenant? C'est bien beau d'être bloqué, c'est bien beau de voir un temps comme ça de pandémie, parce que même ceux qui travaillent, ben, on voit bien que tout est bloqué. Donc ça nous amène à réfléchir. Hein. On réfléchit tous en ce moment et toutes. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qu'on a fait de notre terre? Comment ça se fait que, voilà, on arrive à des choses pareilles, hein? Bon, alors, il y a toujours eu des grandes épidémies, il y avait la peste, hein, il y en a eu des maladies. Mais c'est vrai que, ben voilà, à chaque fois, ça remet en question beaucoup de choses. Alors, s'éveiller, eh bien, c'est surtout s'éveiller à soi-même. Ne vous y trompez pas. Parce que quand on se connaît soi-même, quand on a fait une lecture de nos vrais besoins, de ses vrais besoins, de ses propres désirs, de son désir essentiel, eh ben, c'est là que la vie va nous porter vers des projets. Parce que sinon, ce n'est pas les projets de Pierre, Jacques, Paul, ou d'Eléa, ou de Emma, ou de Myriam qui m'intéressent. C'est mon projet. Et quand on est clair avec son projet à soi-même, qu'on s'éveille à soi-même, eh ben, on va pouvoir y aller. Et du coup, on va pouvoir aussi communiquer avec les autres. Alors, voilà pour vous une journée pour vous éveiller à ce que vous avez vraiment en vous. Hein. Alors, voyons les énergies que la Lune vous envoie. Alors, le cycle, donc, et le combat. Ah, elles sont déjà tombées dans la semaine, si je me souviens bien. Le cycle, mais pas peut-être pas ensemble. Alors, le cycle, oui, pas ensemble d'ailleurs, je crois. Le cycle, vous êtes vraiment dans le cycle de la Lune. Je rappelle que depuis mardi dernier, le 24, nous sommes en nouvelle Lune de la croissance. Après la lune de la fertilité, nous voici dans la lune de la croissance. Donc, le cycle qui est là, eh bien, vous amène vers la pleine lune. Il vous dit, tu es en plein dedans. Et dans ce cycle qui va de la nouvelle lune, effectivement, à la pleine lune, dans ce premier quartier, on est notamment dans le premier quartier aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment une montée dans qu'est-ce que j'ai comme projet en moi? Quels vont être mes prochains objectifs? Et le combat, eh ben, ça veut dire que vous aurez des combats à mener. Vous avez déjà un combat à mener. Ce n'est pas simple. Je pense que l'objectif que vous allez, dont vous allez prendre conscience que vous avez en vous est un objectif qui n'est pas facile. Peut-être avez-vous envie de changer de couple. Peut-être avez-vous envie de changer de travail. Peut-être avez-vous envie de déménager. Peut-être, bref, un combat contre vous-même parce que parfois, ben oui, on se rend compte inconsciemment, on sent qu'on se trompe, qu'on n'est plus sur la bonne route, mais ce n'est pas évident parce qu'on a posé plein de choses autour de nous. Alors là, il va y avoir une petite difficulté. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a le verbe s'éveiller, il s'agit vraiment de se réveiller. Hein. C'est, faut y aller là. Alors justement, tiens, voyons aujourd'hui relationnellement. Ah, envoyé du ciel. La carte envoyée du ciel est vraiment une belle carte parce que elle vous parle de quelque chose qui est au-delà de votre décision, au-delà de ce que vous voulez, de ce que vous demandez aux gens, aux autres. Envoyée du ciel, c'est une rencontre magnifique. Eh oui, alors comment? Étant donné qu'on ne sort pas beaucoup, n'empêche qu'il y a vraiment une idée qui vous est donnée, que l'on vous donne, une rencontre, peut-être par internet, peut-être quelque chose, je ne sais pas moi, quelqu'un qui rentre en communication avec vous. Et il y a une véritable rencontre aujourd'hui pour vous, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, qui va être véritablement une révélation. Parce que envoyé du ciel, mes amis, c'est plus qu'une rencontre, c'est une révélation. Alors, comme c'est relationnel, il y a forcément de l'humain en jeu, il y a forcément d'autres personnes. Eh bien, quelqu'un va soit vous révéler quelque chose de fantastique pour vous, soit vous dire ses sentiments, soit, je ne sais pas, il y a une belle révélation pour vous qui est envoyée du ciel, qui tombe bloom aujourd'hui pour vous. Et donc, dans cette réflexion, au moment où vous vous dites, mais est-ce que je suis bien positionnée là? Est-ce que je respecte mon désir profond? Clac, comme par hasard, vous vous ouvrez, une porte de possible, vous vous éveillez, boum, on est là à la sortie, on n'était pas loin. Alors voyons pour vous l'oracle quantique, la parole de l'oracle quantique pour vous. La joie. Oh, alors ça mes amis, oh, la joie. Alors, avec la carte de la joie, vous êtes mes amis de la Lune dans le cycle de l'esprit, dans le chemin de la conscience. Vous voyez que là vraiment il y a une
révélation. Alors, sa symbolique, c'est l'esprit libéré, rayonnant, conscient, uni à toute chose, à sa juste place, qui ne peut être qu'amour et joie. C'est une belle carte, la joie. La joie, c'est l'énergie matrice de toute évolution spirituelle. Vraiment, elle est de nature rayonnante, elle illumine tout ce qui l'entoure. L'esprit conscient est relié au tout unique. Il n'y a plus de peur, tout est pour le mieux et on ne peut que s'en réjouir. La joie symbolise vraiment le bonheur paisible, bienveillant. Elle crée le meilleur pour nous tous. Elle préside à la joie de vivre, d'exister et de ne pas être seul. Elle est une force qui améliore toutes choses, car tout devient bon et positif. Alors vous voyez que la joie, elle vous relie au monde. Elle va vous aider à améliorer toute situation, à plonger au plus profond de vous-même pour en ressortir tout ce côté positif que vous avez en vous, tout le bonheur que vous, qui est déjà en vous. Elle va vous apporter la joie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle joyeuse. Et elle va même attirer à vous des événements positifs. Donc, vous voyez que vous êtes bien placé. Et enfin, elle va vous aider à vous connecter à la source de joie et de bonheur. Elle va vous mettre de la gaieté dans le cœur. Donc, aujourd'hui, ça commence par un retour sur soi-même, un profond désir qui pousse, qui tape à la porte. Une belle surprise sur votre route, quelque chose qui vous est envoyé, un combat pour y aller, vous vous ouvrez et voilà que vraiment vous sentez cette joie, ce bonheur qui est en vous et qui va vous auréoler, c'est vraiment le cas de le dire, toute la journée. Si vous avez choisi la lune rousse aujourd'hui, alors... Allons-y. Se relier. Ben, décidément, on est dans la même énergie, hein, vous voyez. Hein. Alors là, c'est s'éveiller, mais là, c'est se relier. Alors, se relier, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que vous alliez vers les autres. Alors, pas d'une façon physique, oh là 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 là, Pauline, bien sûr. Mais il y a la messagerie, il y a le téléphone. Vous devez vous relier à des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment, que vous avez oublié ou que par manque de temps, vous n'avez pas pu joindre, je vous assure. C'est très important pour vous, le hibou, ou vous le dit. Et vous allez voir que si vous passez cette journée dans cette énergie du reliement, de la reliance, eh bien, ça va être une journée évidemment très importante pour vous puisque bien placée en énergie. Alors justement, regardons ces énergies. Regardez-moi ça. Le voyage et l'élévation. Nous avons aussi eu ça dans la semaine. Alors, le voyage, c'est toujours un voyage spirituel. En plus, en ce moment, ce serait compliqué de partir en voyage. Mais vraiment, vous avez un voyage à faire vers quelqu'un, c'est sûr. Il y a forcément quelqu'un que vous avez laissé sur le côté, que vous n'auriez peut-être pas dû, mais peu importe. Vous avez aujourd'hui la chance, l'opportunité de retourner vers cette personne et cela va être pour vous une véritable élévation dans votre vie. Cette personne va vous apporter, sans que vous vous en rendiez compte forcément sur l'instant, mais quelque chose qui va vous booster pour la suite des événements énormément. C'est une pyramide Inca, c'est la plus forte des pyramides, c'est bien avant les Égyptiens. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de puissant et de fort. Donc, reliance, allez-y, réfléchissez, reprenez vos contacts, vos anciens contacts, téléphonez-leur, envoyez-leur un message, reprenez contact avec les gens que vous, avec lesquels vous n'avez pas eu de contact depuis un bon moment. Alors, voyons justement au point de vue strictement relationnel. Se libérer des allégeances. Alors, si vous remarquez, on est là aujourd'hui dans un week-end où on n'a pas beaucoup de contacts, hein, finalement. Vous remarquez que ce sont des cartes, ce ne sont pas des cartes de contact. Dans ce magnifique oracle des rebelles sacrés, on a des cartes magnifiques de contact. Là, on n'y est pas. Hein. On a des repliements, des écoutes, des envoyés. Alors, contact, non, hein, physique. Se libérer des allégeances. Alors là, c'est très clair. Il y a des gens que vous n'avez pas joints depuis longtemps. Alors,
non seulement parce que vous n'aviez pas le temps, mais aussi parce que vous vous êtes fait un barrage à vous-même. Peut-être ces gens vous ont mal répondu la dernière fois, peut-être que c'est un ex, une ex qui vous a envoyé promener, évidemment, puisqu'il s'agit d'un ex, mais n'empêche que vous pouvez risquer, vous ne prenez pas beaucoup de risques, en ces temps difficiles, d'envoyer un texto selon comment vous êtes resté avec les gens. Vous pouvez directement passer un coup de fil, on vous le dit, si vous étiez bien et que c'est le temps qui a fait que vous vous êtes éloigné, mais si vous êtes resté mal avec les gens, libérez-vous des allégeances, allez au-delà de ça et faites un texto, un email, peu importe, et franchement, ce sera très bien. Ne vous laissez pas, regardez, vous voyez ce personnage, elle n'écoute qu'elle-même, que son ventre, elle est complètement repliée sur elle-même, les yeux fermés. Elle ne fait même pas attention aux petites abeilles qui sont gentilles, hein, qui ne la piquent pas, mais qui viennent lui dire « Eh oh, on est là !» Elle s'en fiche. Elle est seule avec elle-même, en paix avec elle-même, et c'est elle qui va prendre ses décisions. Et elle va, on vous invite vraiment à joindre des gens que même si vous êtes resté mal avec eux la dernière fois, vraiment, vous dépassez-vous, reliez-vous, soyez la personne intelligente qui fait le premier pas. Croyez-moi, ça vous servira. Alors voyons ce que l'oracle quantique vous envoie justement dans tout ça comme parole. La montagne. La montagne. Imaginez-vous. Vous avez le cycle du chemin de Gaïa, la terre, la montagne. Vous vous souvenez de la chanson? Enfin, en tout cas, ceux qui ont mon âge, voire plus, s'en souviennent. Pourtant, que la montagne est belle. J'adore cette chanson de Jean Ferrat. Vous vous souvenez, mes amis? Eh bien, écoutez, c'est pas grave si il pleut dehors. Oui, j'ai chanté, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas sortir. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne, ou le printemps, ou l'été, je sais plus, l'été peut-être, hein, vient d'arriver. Bon, on n'est ni à l'automne, ni à l'été, on n'y est pas encore. Et s'il pleut aujourd'hui, vous ne m'en voudrez. Oh, allez, la montagne, elle est magnifique. Alors, la montagne, mes amis, c'est le sentier qui mène à la lumière. Ouah, 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 ouah. Boum, boum, boum. Alors, oui, je perds un petit peu les pédales à force de rester un peu enfermé comme ça. Hein, ne m'en veuillez pas, on en est tous au même point. Alors, la symbole du sentier, c'est la symbole du sentier à gravir avec toutes ses difficultés pour atteindre l'illumination de la terre. On l'a dit, hein? Allez-y, allez-y. Alors, la montagne prend ses racines au plus profond de Gaïa, de la terre. Elle nous donne la force nécessaire pour faire cette ascension. Cette carte, eh bien, vous dit que son sommet touche le ciel, le royaume céleste. La montagne représente le chemin initiatique qui attend l'homme quand il arrive sur terre. Donc vous retrouvez avec la montagne, le bas de la montagne, votre enfant intérieur, le haut de la montagne, évidemment, la symbolique du ciel. La montagne, c'est une promesse de rencontre, de retrouvailles, d'expérience et d'évolution. Elle est la montagne sacrée, c'est le lieu de toutes les métamorphoses de l'être. N'ayez pas peur, reliez-vous et vous y trouverez de la magie. Alors, cette carte aujourd'hui va vous aider à gérer des difficultés que vous avez dans vos relations, justement. Elle va renforcer votre courage, votre volonté d'y aller. Elle va favoriser la coopération, justement. Elle va vous envoyer des énergies de bon retour pour avancer vers votre but. Elle va vous aider aussi à avoir conscience du chemin que vous avez parcouru jusque-là, mais que vous avez aussi encore à parcourir. Et elle va renforcer votre côté physique, votre santé. Elle va vous faciliter les efforts, l'endurance. Elle va vous donner vraiment de l'épaisseur physique. Enfin, elle va renforcer votre motivation pour atteindre votre but. La montagne, quand on dit « je vais dépasser les montagnes », eh ben oui, vous allez aujourd'hui dépasser une véritable montagne et vous allez joindre des personnes. Ce sera difficile, mais vous allez voir plus tard le beau retour que
que vous aurez. Magnifique. Allez, mes amis, maintenant, le ciel astral de ce week-end pour celles et ceux que ça intéresse. Et après, votre défi du week-end. Oui, oui, oui. Restez avec moi. Voici le ciel astral de ce week-end. Alors, vous voyez d'abord que la Lune, dans le week-end, commence par être dans le taureau, dans le deuxième, puis le troisième décan, et enfin, elle atteint le premier décan des Gémeaux. Alors, elle est en même temps en conjonction avec Vénus. Alors là, on commence le week-end avec le taureau, donc dans la fidélité, dans l'amour, l'amour simple, les choses de la terre, on est vraiment très terrien. Et puis, on termine le dimanche avec les Gémeaux, aériens, communication importante, et on a Vénus. Alors, Vénus en taureau, elle est chez elle, elle est sublimée en taureau, c'est la sensualité, on est sous la couette. Moi, je dis qu'après ce grand drame de cette pandémie, il y a plein de bébés dans 9 mois qui vont fleurir, vous verrez. Et il y en a qui me disent, oui, des divorces aussi, peut-être. Mais moi, je dis aussi des bébés. Et oui, alors un week-end cocooning, un week-end pour être sur la couette. D'autres sous et sur, enfin, où vous voulez, hein. D'autant plus dans la cuisine, enfin. D'autant plus que, ah ben, ça dépend de l'âge. Moi, maintenant, la cuisine, c'est compliqué, c'est certain. Alors, écoutez-moi bien, trêve de bêtises. Alors, on peut quand même, on peut rire un peu. D'autant plus que la grosse conjonction Pluton-Jupiter-Saturne-Mars envoie de très beaux aspects à la Lune. Donc, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose que l'on fait, dans des projets. Jupiter-Pluton, c'est de nouveaux projets. Saturne, c'est des projets de longueur. Mars, allez, il met le feu aux poutres. On flambe, on y va, la passion. Donc, moi, je dis qu'on est en train, ce week-end, de mettre en place de belles choses pour le futur. On y pense ou on les fait, peu importe, mais on y est. Alors, la Lune, ce week-end, va vous parler d'un bien-être dans votre peau et vous êtes prêt à toutes les fantaisies. Alors, je fais encore un petit coucou à nos soignants qui ne sont pas dans la fantaisie, à ceux qui nous font, qui gardent leur commerce alimentaire ouvert, à ceux qui retirent les poubelles des rues pour qu'en plus il n'y ait pas des épidémies atroces de microbes. Bref, je fais un coucou à toutes ces personnes qui sont encore sur le pont en train de travailler pour assurer notre bien-être, notre santé, la propreté, tout. Mais quand même, ce week-end, on va se sentir bien dans sa peau. On sent le printemps qui arrive et on a envie de fantaisie. Ah, ça sera limité, mais quand même. Alors, c'est donc une journée, finalement, et même un week-end, pour s'appuyer sur son désir. Et faire confiance en la vie, oui mes amis, faisons confiance en la vie, ne vous inquiétez pas, passez un bon week-end, forcément on va s'en sortir. Alors, maintenant je vous ai préparé un défi pour le week-end, mais oui je vous ai préparé un défi, je ne vous lâche pas. Vous savez très bien, au fond de vous, quel est votre désir profond, hein ? Alors, vous allez vraiment l'écrire. Et vous allez l'entourer autour d'une pierre que vous avez à la maison, ou bien autour d'un bout de bois, c'est la fidélité, ou bien autour d'un bijou que vous aimez, qui vous appartient, ou à votre grand-mère, vous allez l'entourer, ce petit bout de papier, avec votre désir profond écrit, et vous allez le placer sur votre table de prière ou de rituel, ou votre table de chevet. Et vous allez lui faire une belle prière ou un beau rituel si vous savez le faire. Et même, je dirais plus que si vous avez une petite pierre qui s'appelle la tectite, eh bien, vous l'entourez autour d'une tectite. Mais le reste, ce que je vous ai cité auparavant, c'est parfait aussi. Surtout si vous avez un bijou de famille. Et vous mettez, vous prononcez votre vœu, vous faites une belle prière à votre ange ou à vos anges, à votre guide, à Dieu, bref, à votre enfant intérieur, en qui vous croyez, pour son exaucement. C'est un week-end pour ça, donc allez-y, faites brûler un peu de sauge si vous en avez, un peu de bois de cadre si vous en avez. Mettez, et puis surtout, bien sûr, prenez votre élixir si vous l'avez, alors là,
Parce que depuis mardi, on a fait un nouvel élixir quand même. Hein. Donc, c'est l'élixir de la croissance. Oh, versez-en quelques gouttes sur le bout de bois, sur le bijou, sur le papier, sur votre vœu. Bref, allez-y. Mes amis, je vous souhaite un magnifique week-end, malgré ce qui se passe. Mais quand même, on va trouver des ressources en nous pour s'en sortir. Et puis, je vous dis donc à lundi.